Alors c'est qui lance le dé en premier, vas-y. Mais non, elle est après c'est quatre. Comme ça, elle rond. Quatre. Alors on avance de 4. Non, 4. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la case? Avance de 4 cases. De 4. Parce que c'est écrit, passe ton tour. Ah bon, bah, sauf. Alors, nous sommes deux pratiques artistiques qui peuvent être modernes, contemporaines ou classiques. Nous sommes pratiquées dans une école à Charleville-Mézières. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Des pratiques artistiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pratique artistique? Oh, je m'en rappelle plus. Il y a théâtre. Il y a, je sais. Après, il y a qu'est-ce qu'on. Il y a les dessins. Le dessin, ouais. Qu'est-ce qu'il y a autrement? Il y a la danse. La salle Jean Villard, la deuxième salle. Non, c'est pas un lieu, là, c'est un style. Ah, bah, c'est d'autres cas. Le mot Ardennes à l'envers. Et puis le mot Ardennes à l'envers. Oh, non, les plis, avec les lettres. C'est ce qu'on dit. Mais c'est pas épeler ça. Épeler, c'est faire quoi? Moi, je le sais. S-E-L-N-D-E. S-E-L-N-E-D-R-A. Ouais, c'est bien. Mais, vas-y, prends un deuxième gage. Alors, récitez les nombres de 1 à 10 à l'envers. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ah, de 1 à 10. Voilà, c'est juste une, deux, trois questions. Dans le cadre de Culture du Cœur, hein, il y a un jeu qui a été créé, donc il s'appelle Culture du Cœur des Ardennes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la réalisation de ce jeu? Alors, en fait, c'est un jeu qu'on a mis en place à partir de 2010. Il y a eu une première idée du jeu dans le cadre de la fête du jeu à Charleville. Et après, on a décidé de vraiment. Enfin, c'était vraiment amateur, hein, encore. C'était des petites questions sur les Ardennes. Et après, on a décidé d'améliorer ce jeu. Et donc, on a fait des ateliers avec des structures culturelles et des relais sociaux afin de faire des questions sur toutes les structures culturelles des Ardennes, aussi les spécialités locales. Et du coup, il est sorti en 2013, on a finalisé le jeu. Donc, c'est un type jeu de loi, en fait, où on doit répondre à des questions sur les Ardennes, et où des fois on a des gages aussi en fonction de comment on lance les dés. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver en premier, jusqu'à la fin. Soit on peut jouer en fait en deux modes, soit en coopératif, donc du coup, là, on joue contre le sanglier des Ardennes, où on joue les uns contre les autres, et là c'est le premier qui arrive qui a gagné. Et vous conseillez ce jeu-là plutôt pour quelle tranche d'âge? Souvent on conseille à vers 10 ans, soit alors des enfants de 10 ans, ou autrement pour jouer aussi en famille. Parce que l'idée c'était soit qu'on s'en serve en outil de médiation pour découvrir les Ardennes, et aussi pour tout ce qui est le lien parent-enfant aussi, ça, pour favoriser le lien parent-enfant. Et c'est un jeu on pourrait concevoir que ce jeu sorte du département, afin que les gens qui ne connaissent pas les Ardennes, c'est un moyen ludique de faire découvrir aussi notre département. Bah ça peut, mais c'est quand même moins le cas, quoi, parce que c'est aussi intéressant qu'on ait un peu une connaissance des Ardennes, parce que on a des points de repère. Si on ne connaît pas, je pense que c'est vraiment outil de médiation, d'apprendre à connaître son territoire. C'est ça vraiment l'idée du jeu. Et les premières impressions que vous avez, vous trouvez que le public avec lequel vous avez joué a une bonne connaissance de son territoire, ou il y a encore du travail? y a quand même... souvent, en fait, on est assez surpris, parce qu'il y a des choses qu'on ne pensait pas que les enfants ou les jeunes pouvaient connaître, mais en fait, ils connaissent plein de choses. Et c'est super. Puis après, c'est aussi fait pour découvrir. Donc Donc vous avez eu l'occasion de présenter dans le cadre, dont vous parliez de la fête du jeu, mais dans quels autres cadres vous avez pu présenter ce jeu? Alors, c'est soit présent dans les centres sociaux, alors aussi dans dans des ateliers aussi autour de la parentalité, dans ce cadre-là. Après, c'est avec... là, bientôt, on va le mettre en place aussi avec le Secours catholique, pour faire des après-midi jeux. C'est vraiment...
toutes les personnes qui peuvent être intéressées, c'est assez ouvert, mais après c'est vrai que c'est quand même plus adapté à un public jeune ou vraiment dans parents-enfants, quoi. C'est vraiment...